En ce qui me concerne, pas tellement, parce que finalement, j'ai fait comme la plupart des maires ce que nous faisons toujours, c'est-à-dire on est à côté des gens, on prend les choses de manière concrète, efficace et pragmatique, avec nos équipes municipales, élues comme agents publics. Donc, ça n'a pas changé grand-chose de ce point de vue. Moi, je n'ai pas senti, à la fois à l'occasion de cette crise, après quelques mois, après les élections municipales aussi, je ne me sens pas remis en question dans le rôle que je jouais avant et le rôle que je joue aujourd'hui et que je pense je jouerai dans les années qui viennent en tant que maire. Hein. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça a permis et ça a montré que toutes les collectivités, parce qu'on a bien vu aussi l'action des régions, des départements, des intercommunalités, on a su coordonner assez bien nos actions. Ça s'est fait en Île-de-France, mais ça s'est fait aussi ailleurs. Coordonner assez bien nos actions et qu'ensemble, malgré la diversité de nos compétences, malgré aussi le nombre important que nous sommes, hein, on parle hein, le millefeuille, bah, malgré ça, finalement, le local s'est coordonné assez rapidement parce qu'il y avait des choses concrètes à faire. Donc, c'est sur le concret que ça s'est passé. Et on a eu évidemment beaucoup plus de mal à nous coordonner parfois avec les représentants de l'État. Il y a les préfets, mais il y a aussi les agences régionales de santé. Ça a été beaucoup plus difficile par suite de messages nationaux qui ne revenaient pas sur le terrain, qui ne revenaient pas suffisamment sur le terrain. Et on a eu donc beaucoup plus de mal à nous coordonner avec le niveau national. C'est comme s'il y avait eu en fait deux France. Il y avait une France qui parlait à la télévision et qui disait, voilà, on va faire ça, voilà les consignes, etc. Et puis une autre France qui disait, bon, on entend tout ça, mais nous, concrètement, il faut bien qu'on en sorte. Donc voilà, on a cette verticalité, si vous voulez, qui en plus est décalée un peu dans le temps, cette verticalité absolue, qui est vraiment le souci. Mais c'est encore une fois la conséquence de cette culture dont je parlais tout à l'heure, et puis aussi de cette dérive institutionnelle qui n'était pas celle de la Ve République au départ, hein, mais cette dérive institutionnelle qui est liée à l'élection au suffrage universel, puis ensuite au quinquennat, qui a été quelque chose d'absolument catastrophique de ce point de vue. C'est la conséquence de tout ça. Si on ne remet pas ça sur la table, à mon avis, je ne vois pas comment on va faire évoluer les choses.